Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Cool au Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer le skin Xander gratuitement en solo. Donc normalement, il faut être, faut parrainer un ami pour réaliser les défis avec un ami, donc avec un autre joueur, pour débloquer le pack que vous voyez à l'écran. Donc les deux skins là, enfin le skin plus sa variante, plus le sac à dos et le revêtement. Donc normalement, vous devez être deux joueurs pour le faire, mais là, je vais vous expliquer comment le faire en solo. Donc déjà, première chose qu'il vous faudra, c'est d'aller sur le site que je mettrai en description, en commentaire épinglé. Donc quand vous arrivez sur ce site, il vous faudra vous connecter avec votre compte principal et votre compte secondaire. Donc moi, je me suis déjà connecté avec mon compte principal. Là, je vais me connecter avec mon compte secondaire. Voilà, je me connecte avec mon compte secondaire. Ensuite, il faudra ajouter votre compte secondaire à votre compte principal. Okay, donc il faudra aller dans « Ajouter un ami ». Et inviter votre compte secondaire. Alors très important, votre compte secondaire, moi ce que je vous conseille c'est de vous en créer un nouveau. Parce que si vous vous créez un nouveau compte secondaire, ça voudra dire que tous les adversaires dans vos parties seront des bots. Et vous allez pouvoir réaliser les défis très facilement parce que tout simplement vos adversaires ne seront pas joués comme c'est des bots. C'est des robots et vous allez pouvoir les tuer facilement. Donc tous les défis, vous allez pouvoir les faire facilement. Donc là vous ajoutez votre deuxième compte en ami. Et pareil, sur votre, quand vous serez, donc là, c'est avec votre compte principal. Et quand vous êtes connecté avec votre compte secondaire, vous ajoutez votre compte principal en ami. Il faut le faire avec les deux comptes, ok? Comme ça, vous allez pouvoir réaliser les défis avec chacun des comptes. Donc, vos deux comptes, en fait, vont débloquer toutes les récompenses. Et c'est ce qu'il faut faire, ok? Donc, quand vous êtes connecté et que vous avez, vous avez ajouté tous les deux sur le site internet avec votre compte principal et votre compte secondaire, vous allez devoir réaliser des tâches. Donc la première tâche, c'est tout simplement de créer une connexion. Donc créer une connexion, c'est d'ajouter votre deuxième compte, ok? Donc la deuxième tâche, c'est de jouer une partie avec votre filleul. Voilà, c'est très simple, hein. Vous allez sur Fortnite, là, vous vous connectez. Par exemple, moi, là, je suis sur console parce que je suis un joueur console. J'ai installé Fortnite sur mon téléphone. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter mon deuxième compte. Donc mon nouveau compte que j'ai créé, je vais l'ajouter, je vais l'inviter, si je le trouve, ok il est là, je l'invite pour que je... inviter dans le groupe, voilà parfait, j'accepte, et ensuite je lance une partie, dès que j'ai lancé la partie, je fais quitter la partie, bon j'attends, je saute quand même du bus, j'attends d'être dans le bus, dès que la partie est lancée et que je suis dans le bus, je saute du bus avec mes deux comptes et ensuite je quitte la partie tout simplement avec les deux comptes pour valider la première tâche. Voilà, rien de très compliqué. Alors ensuite, la deuxième tâche va vous demander de faire un top 10 6 fois avec votre filleul. Ben là, c'est pareil. Vous lancez une partie en zéro construction hein, ou en normal, peu importe. Vous lancez une partie avec votre compte. Quand la partie se lance, vous laissez votre deuxième compte mourir, donc votre compte, moi c'est mon téléphone, donc je laisse mon téléphone mourir, je m'en occupe pas et je fais un top 10 avec mon premier compte. Donc comme vous êtes dans une partie où il n'y a que des bots, vous allez pouvoir faire le top 10 très facilement. Mais si vous voulez prendre aucun risque, ce que vous faites c'est que vous ne tuez personne et vous vous cachez jusqu'à temps qu'il reste 10 personnes en vie dans la partie. S'il reste 10 personnes, c'est sûr et certain que vous serez dans le top 10. S'il reste 20 personnes, c'est possible que vous ne soyez pas dans le top 10. Donc moi, je vous conseille quand même de rester jusqu'à temps qu'il reste 10 joueurs en vie pour être sûr d'être dans le top 10. Quand c'est fait, bah vous vous tuez ou vous essayez de faire un top 1. Et là, vous allez devoir répéter cette étape 6 fois parce qu'il faut faire 6 top 10 pour réaliser le défi. Okay, donc là, regardez, 6 fois 10 top, le top 10. Donc dès que vous aurez fait 6 fois le top 10 avec votre fiole, bah là vous aurez terminé le défi et vous passerez à la tâche numéro 4. Donc le défi numéro 4 va vous demander d'éliminer 45 adversaires avec votre fiole. Bah c'est pareil, hein. Vous lancez une partie en zéro construction ou en battle royale normal. Par contre, votre deuxième compte, je pense qu'il doit rester en vie pour que ça valide le défi.
Je suis pas sûr, mais je pense qu'il faut qu'il reste en vie. Donc ça, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce que vous allez faire. Donc voilà, vous lancez la partie avec votre fiole. Et là, ce que vous allez faire, c'est d'essayer de garder votre deuxième compte en vie. Donc pour le garder en vie, c'est très très simple. Déjà, vous attendez que vous soyez dans le bus, que la partie se lance. Quand vous êtes dans le bus, ce que vous allez faire, c'est sauter dans la première ville, la plus grosse ville que vous voyez, donc peut-être Greasy Groove, ou Kondo Canyon, peut-être Rocky Reels. Moi, je vais sauter à Rocky Reels, ok. Donc là, j'utilise que mon premier compte pour l'instant. Donc hop, j'attends d'être au-dessus de la ville que j'ai envie de spawn. Et voilà, j'espère que normalement, dans Rocky Reels, il y aura beaucoup d'adversaires. Donc maintenant, pendant que je suis en train de descendre, je vais utiliser mon deuxième compte. Donc j'utilise mon téléphone, hop, je saute du bus et j'active mon parachute. Voilà, j'ai activé mon parachute avec mon deuxième compte, avec mon téléphone. Comme ça, regardez, mon deuxième compte est dans les airs. Et pendant qu'il est dans les airs, moi je vais éliminer tous les adversaires qui sont là. Donc je vais les éliminer facilement, tout simplement parce que ce sont des bots. Comme je suis avec un compte qui est de niveau 1, tous les adversaires qui sont là ne sont pas des vrais joueurs. Donc peut-être qu'il y en aura un ou deux qui sera des vrais joueurs, mais les trois quarts sont des bots. Hein. Donc, hop, regardez, le mec il bouge pas, il fait rien. Le mec par là, il voit que je tire sur son pote, regardez, il s'enfouit. Donc voilà, franchement, très facile. Hein. N'oubliez pas de les éliminer quand ils sont par terre, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc regardez, là, il y a quelqu'un qui me tire dessus. Regardez, il me tire dessus, le mec il s'est pas visé quoi. C'est complètement un bot quoi. Donc j'ai juste allé les éliminer un par un. Et dès que j'aurai éliminé 45 adversaires, voilà, j'aurai terminé le défi. Alors très important, là mon personnage, regardez, le mec il est à côté de moi, il me touche pas quoi. Enfin voilà, c'est easy quoi. Donc là mon personnage il est toujours dans les airs. Donc faites en sorte de le garder en vie. Donc dès qu'il va toucher le sol, essayez de le cacher dans un bush, dans un buisson, dans un toit, peu importe, pour ne pas qu'il se fasse tuer. Parce que s'il se fait tuer, c'est possible que ça ne valide pas pour vos éliminations. Désolé, vos éliminations, c'est possible qu'il ne se valide pas pour le défi. Parce qu'il faut faire 45 éliminations avec votre fiole. Donc si votre fiole est mort, c'est possible que ça ne valide pas le défi. Donc essayez de le garder en vie. Donc là, moi, je le laisse dans les airs. Et là, je peux faire vachement blindé de kill avant qu'il tombe, avant qu'il touche le sol. Donc voilà, ça c'était pour le quatrième défi. Donc, hop, je vais quitter avec mon téléphone. Parce que moi, je vous présente juste l'astuce, hein, tout simplement. Hop, ok, ok. Et là, dès que vous aurez fini votre quatrième tâche, ben vous débloquerez la récompense qui est la pioche. Hein. Quand vous aurez terminé la troisième tâche, vous débloquerez l'accessoire de dos, etc. De toute façon, si vous voulez plus d'informations sur parrainer un ami sur le site, je vous mettrai un lien vers une vidéo que je vous ai déjà expliqué comment le faire. Un tuto qui vous explique comment débloquer le skin Xander plus précisément. Donc voilà, j'ai fait une vidéo un peu plus précise par rapport au site. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez plus d'informations. La vidéo sera en description, en commentaire épinglé. Donc ici, quand vous avez terminé ce défi d'éliminer 45 adversaires avec votre fiole, vous allez devoir réaliser le cinquième défi, qui est de gagner 60 niveaux par vous-même et attendre que votre fiole ait gagné 60 niveaux aussi. Donc là, c'est le défi le plus chiant à faire, mais ne vous tracassez pas, n'ayez pas peur, 60 niveaux, ça se fait quand même assez facilement, parce qu'en plus de ça, vous avez jusqu'au 11 janvier 2023 pour réaliser ce défi. Donc ça veut dire que vous avez carrément 6-7 mois. Ouais, 6-7 mois pour réaliser le défi. Ouais, vous avez 6-7 mois, donc 4, non, vous avez 5 mois, excusez-moi, 4-5 mois pour réaliser le défi. En 4-5 mois, ça vous fait 10 niveaux par mois. C'est super easy. Hein. En plus de ça, comme votre fiole. Vous n'êtes pas obligé de jouer tous les deux avec votre fiole. Vous pouvez faire chacun les 60 niveaux de votre côté. Donc c'est ça l'astuce. Donc première chose que vous allez faire, c'est d'aller avec votre compte principal et faire 60 niveaux. En 5 mois, je pense que les 60 niveaux, vous les faites facile. Hein. Surtout que, regardez, vous faites les défis quêtes quotidiennes. Non, pas les quêtes quotidiennes, les quêtes hebdomadaires. Ça rapporte énormément d'XP. Donc 15 000, 15 000, 15 000, 15 000. Voilà, ça rapporte énormément d'XP. Donc vous faites tous les défis de toutes les semaines. Et vous allez monter facilement. Regardez, j'ai fait aucun niveau, aucun défi quasi. Et je suis niveau 49. Donc franchement, ça prouve que vous allez monter facilement les niveaux. Ensuite, vous jouez, hein, vous faites tous les autres défis, les événements et tout ça. Et normalement, vous allez monter niveau 60 très facilement et très rapidement. Alors, par contre,
pour votre deuxième compte. Moi, ce que je vous conseille maintenant, avec votre deuxième compte, si vous êtes un joueur console, bah, c'est tout simplement de créer un nouvel utilisateur sur votre console. Voilà, vous êtes dans paramètres utilisateur, paramètres de connexion, non, pas paramètres d'utilisateur, enfin voilà, vous créez un nouvel utilisateur. Moi, c'est celui-ci, par exemple, code créateur SCM, bah, c'est mon deuxième compte que j'ai rejoint, justement, qui m'a rejoint pour faire les défis, donc SCM. Et je me connecte sur le deuxième compte et je fais les 60 niveaux avec mon deuxième compte via ma Play. Comme ça, je joue sur la plateforme que j'ai l'habitude de jouer et j'utilise mon deuxième compte qui me permettra d'avoir que des bots. Hein, parce que comme c'est un nouveau compte et qu'il est niveau 1, quand je vais lancer une partie, j'aurai que des bots. Donc pour réaliser les défis, je fais tous les défis de la saison actuelle. Je fais quelques games et normalement, en même pas une semaine, même pas quelques jours, je suis level 60. Hein. Je pense qu'il y a moyen, si vous faites tous les défis et que vous avez un compte bot, donc tous les autres adversaires sont des bots, vous allez pouvoir vous amuser, vous entraîner au shoot, faire tout ce que vous voulez, faire des top 1 autant que vous voulez et vous allez monter niveau 60 très 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 facilement avec votre nouveau compte. Donc dès que vous aurez atteint 60 niveaux avec les deux comptes, bah là, vous débloquerez le skin plus la variante du skin. Donc là, vous aurez terminé tous les défis et vous débloquerez tous les packs. Donc voilà. Comment vous allez pouvoir réaliser tous ces défis en solo. Parce que normalement, vous devez être avec un autre joueur. Donc si vraiment vous n'avez pas d'autres joueurs, vous n'avez pas d'autres amis, bah voilà la solution pour débloquer le skin en solo. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoFullMec et ciao. Peace.